je prank mon club de boxe anglaise et pour ça, j'ai fait venir mon ami et champion du monde, Souleymane Mohamedi, champion des moins de 72 kilos, 14 victoires pour 0 défaite. On va faire croire au club qu'il est débutant, qu'il a jamais fait de boxe anglaise. Il s'appelle Mehdi, il est youtubeur, il est pote avec Billy, il tourne avec Nasdas, mais il n'a jamais mis de gants de toute sa vie. Tu as frappé avec les doigts, tu as frappé avec les pieds. Doigts, avec les pieds, avec le nez. On y va tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est bien encadré. S'il voit que quelqu'un ne répond pas bien au coup, il va pas le foudroyer non plus. Et le but, c'est de faire du spectacle sans mettre en danger, bien évidemment, les débutants en boxe qui sont avec moi et qui s'entraînent dur. Les gars, comme vous le savez, j'ai lancé ma marque de compléments alimentaires Nutrisolide et ça tombe bien parce que Souleymane prend du collagène marin. Comment tu utilises ça, toi? Franchement, ça, je le prends chaque matin avec un yaourt ou de l'eau. Et c'est très utile parce que comme on est souvent amené à faire des pertes de poids très très importantes, des fois on est en manque d'eau, on est en manque de nutriments et ça nous permet de ne pas abîmer les articulations parce qu'on envoie vraiment des coups violents. Ça me permet de pouvoir tenir un peu la cadence. Donc voilà. Ça compense la baisse de densité osseuse qui est provoquée par les sèches extrêmes. Il peut descendre à des moins de 70 kg alors qu'en temps normal, tu es à 90, c'est ça? Plus 80, 85. Dernièrement, j'ai atteint les 90, mais faut pas le dire. Mais voilà quoi. D'ailleurs, profitez en ce moment des soldes d'été sur la whey isolate native 100% française, produite à partir de petits laits extraits de vaches élevés dans le nord de la France par nos chers agriculteurs. Initialement à 50 euros, elles sont maintenant à 37 euros le sac de 900 grammes. La créatine 100% monohydrate des labels allemands Créapure, le top 1 mondial sur la créatine, ce complément alimentaire vegan booste votre force, endurance et volume musculaire. C'est un indispensable pour les athlètes qui veulent performer. En effet, il est impossible de l'avoir en quantité suffisante dans la nourriture, car pour un seul gramme de créatine, il faudrait consommer 1 kg de bœuf. Et étant donné qu'il en faudrait 5 grammes pour en tirer le meilleur de ses bénéfices, je vous laisse faire le calcul de la quantité de viande en euros qu'il faudrait pour avoir vos 5 grammes par jour. Spoiler, ça vous reviendrait 100 euros par jour. Ici, le sachet de 80 portions est à 18 euros au lieu de 25 euros. Le collagène marin 100% français des labels Peptan, le top 1 mondial sur les peptides de collagène, est issu de peau de poisson. Il prévient les blessures et aide également à guérir et soulager tendinite et douleurs articulaires. Son action anti-âge pour la peau et les cheveux pourra même ravir nos chères mamans. 29 euros le sachet au lieu de 40 euros. Tous nos produits sont non seulement sans gluten et conviennent aux alimentations liées aux convictions religieuses, certificat à l'appui et consultable directement sur le site juste à côté des études scientifiques. Et non seulement les prix sont au plus bas, mais en plus, si tu fais le stock en achetant 2 sachets de créatine ou de collagène, le troisième est à moins 50%. Et si tu en achètes 3, le quatrième est totalement gratuit. Une qualité de produit imbattable et des prix encore jamais pratiqués dans le monde des compléments alimentaires, profitez-en car c'est une offre qui risque de ne plus jamais se renouveler. Plaisir de te l'offrir et nous, on se retrouve au club de boxe. Live ! Je dis que je fais de la muscu. Ouais, tu fais de la muscu, mais tu as pris un peu de poids. Bon bref, toutes les conneries que t'as l'habitude de dire. Ça va ? Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va nickel. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse plus de sparring pour le coup? Les 4. Ouais. C'est moi qui donne le coup. Bonjour, vous allez bien? Ok. Moi j'ai déjà encaissé dehors. J'ai déjà fait des bagarres et tout. C'est pas pareil, frère. La boxe et la bagarre, ça n'a rien à voir. Ouais, mais je pense. T'es sûr de toi? Attention! Moi sans le casque, moi je mange. C'est le micro. Non, en plus, ouais, je fais un peu la muscu, du coup je tiens. J'utilise un peu les solides gommes en ce moment, j'ai la mâchoire. En plus, si jamais j'ai le casque, je vais pas être très beau. Mais tu le mets pas, Auré, je rigole. Après, ouais, si voilà. Tu veux vraiment le mettre, tu peux. Non, c'est ça que je veux dire. Moi, je sais que j'encaisse. D'accord. J'ai déjà fait la bagarre d'Auré, tout, vous inquiétez pas. Okay. Moi, j'ai jamais vu se bagarrer. Je connais à peine. On va voir. La bagarre, ça n'a rien à voir avec la boxe. C'est déjà. Beau. Faut pas que tu fasses de l'amalgame parce que c'est pas du tout pareil. Lui, c'est Franck. C'est le boss de Hurricane Sport, la marque que vous connaissez tous, mais aussi une salle de boxe dans le sud. Il est professeur de boxe thaï, mais on s'est arrangé avec le prof de boxe anglaise habituel pour que ce soit lui qui nous encadre, car il ne connaît pas Souleymane. Il sera donc le principal piégé avec les élèves. Un tonnerre de likes pour lui, s'il vous plaît. Bien sûr, j'en dis pas. Tu verras la boxe quand tu vas commencer à prendre 1, 2, 3, 4 patates d'affilée. Parce que tu n'es pas un mec qui ne sait pas se battre en face de toi, tu as quelqu'un qui boxe. Ah, c'est sûr. Et là, tu les prends. C'est pas la même. Donc, tu vois, tu as des techniques, bien sûr, pour les absorber, pour les esquiver et tout.
C'est bon, vous vous montrez tout ça et j'essaie. Ouais, bien sûr, tu peux me tutoyer. Arrête de le stresser, tu vois pas qu'il est en jeu et tout. Il commence la boxe, le cher, et tu le stresses. Tu vas prendre 2-3 patates et tu vas tomber. J'ai des gants roses. Tu as pris des bandes? Ouais, j'ai des gants. On m'a dit pour les gants, il y avait des tailles de mains. J'ai pas compris. Parce non, que mes mains, c'est... ça dépend si tu fais du sac, de l'entraînement, des combats. Je crois que j'ai du 10 ou du 12, je sais pas. 12 minimum. Combien tu pèses? Oh, je sais pas. 80, 75. Ouais, 80, on va dire. Allez, 80. Il te faut des gants 12 minimum. 12, c'est la taille des gants, en fait. C'est... plus ils sont larges, ouais, moins cela, les couilles passent à travers. Vous vous dites, ça y est, je vais être champion, vous voulez me signer. Ouais, c'est obligatoire. On va voir. Là, vous vous dites, on va voir si c'est doué ou pas. La pépite. Je vais te le dire. C'est bon. Promis, moi je suis frappe. Ça va pas, je vais te le dire cash. Allez, vous me dites. Ok. C'est bon. Et lui, il boxe déjà, lui. Oh, mais de toute façon, s'il me frappe fort, je vais l'appuyer, moi, Franck. Hein. Ouais, il boxe, lui. Tu peux y aller. Je lui appuie la tranche, moi. Je fais un peu. Attends, on va voir. Tiens, vas-y. Vaut mieux mettre le casque. Hein. Non, moi je sais que j'encaisse. C'est là avec qui tu tournes. Moi tout le monde, même je tourne avec tout le monde, les gars, vous inquiétez c'est pas. Sûr de toi, hein. Ouais, je suis sûr. Ah, mais je vais être moche avec le casque. Mais non, faut se traire. Mais non, j'ai l'impression d'être. Non, pas moi, tu vas voir, quand il est pas plus, j'entends rien en plus, toi. Bah, c'est mieux là. Comme ça. Voilà. Comme ça, du coup. C'est bon, je suis droitier. Non, la main droite. Du coup, je me mets comme ça. Jambe avant gauche. Pourquoi la gauche? On va y aller. On va y aller, allez. Vous dites hein, si vous doutez de moi ou pas sur la vidéo. Il dit qu'il fait du round sans me forcer, on va voir. Et ça te prend le cœur, hein. Tu vas voir. Hein. Si je vomis, ça va tôt. Hein? Bonjour. J'abuse. Ça se met comment le casque? Il faut ça un peu moins. Dis-toi les. Mais quoi que plus c'est gros, plus ça passe. Ça va? Ça va. Tu connais lui? Les deux, lui et lui. Lui encore, on m'a pas reconnu, je crois. Donc, lui, surtout, il me connaît. Les deux bleus? Ouais. Bah, ils sont à la même mat, de toute façon, ils sont pas en anglaise. Ça va alors. Donc, c'est bon. Je fais semblant d'être soufflé et tout. Ouais, au début. Après, fusée, après, le disparing, fusée. Hein. Là, il a dit, il y a disparing et il faut que tu sois. Ça va, une machine à tuer. C'est une minute, je pensais que ça allait être 3 minutes. ça va, je suis à l'aise. Ça fait quoi, ça fait... Tu sais que moi, c'est la mort pour moi, là. Ça va être la mort pour moi, en vrai. C'est bidon. Et 20 minutes, c'est chaud quand même. Une minute de chaque. Ouais. Ça va. Et toi? Ça va. Là, tu sais quoi? En te regardant. Je me connais. Tu le connais? Très bien. Il s'appelle Meji, ok? Sans, j'ai fini. En ce moment, sur YouTube, tu tournes à combien par mois de salaire? Ça varie après. Là, en ce moment, la dernière fois que j'ai tourné, à ce mois-ci, il était cru. J'ai fait 30. 30 000? Ouais, c'était cru un peu. Putain, 30 000 euros en un mois? D'habitude, on fait plus, hein? Ah, vous êtes chaud, vous, hein? Des fois, on se fait des 100 000 et tout. Putain, 100 000 euros là, par mois? Vraiment, c'était cru ce mois-là. Vous en pensez quoi, les gars, de ça? Le salaire des youtubeurs. Ça va, Nasdaq il prend plus. Ouais, Nasdaq il prend plus, mais je prends des 30 000 euros par mois, c'est bien. Ouais, mais Nasdaq il prend plus. Fais comme Nasdaq. J'aimerais, mais. T'as une bouteille d'eau ou pas? J'ai pris, t'inquiète pas. T'en as pris deux comme ça au moins au cas où. Ce connard des youtubeurs, il se prend des 100 000 euros par mois. Connard, va. Hein? Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, j'y sais. Tellement que tu. On est rentré dans le personnage que je suis en train de croire que je te gagne. Mais c'est pas une blague. Les gars, vous pouvez parler. C'est pas interdit. D'habitude, ça crie, ça chante. Aujourd'hui, on dirait que nous avons volé notre. Oui, vous avez raison, beau gosse comme vous êtes, vous êtes obligé de rester. Voilà. Tutoie-moi, déjà. Excuse-moi. Si tu veux qu'on soit amis, tutoie-moi. C'est quand je connais pas les gens, je fais pas esprit. J'aime pas qu'on vous voit. C'est bon, je m'excuse. Ok. Donc, 1, 2 tours. Ok. Et après, tu passes derrière le pouce. Tout le matériel de boxe. Alors, le plus important dans la boxe, c'est ici et ça. Pourquoi ça? Ici, parce que quand tu tapes, tu risques de te casser le poignet. S'il n'est pas tenu, le poignet, il se casse. Et là, c'est à chaque fois que tu tapes dans le gant, ça frotte. Okay, ouais. Tu as le protège-dents? Protège-dents, ouais, mais ça craint pas si c'est celui de mon collègue. Eh, tu peux pas le mettre. Il est neuf, je crois. Eh non, mais il faut te protéger dents à toi. C'est pas grave, au moins ça me protège les dents pour en attendant. Bon, là, le maximum ici, d'accord? Là, c'est pas grave, mais le maximum ici. Vas-y, mets l'autre. Merci.
Y a pas de souci. Je mets les gants et protège dents. Mettez les gants. Tout le monde met des gants, protège dents. Par deux. Boxeur A, boxeur B. Gauche, droite. Puissant, les gars. Puissant. Puissant. J'ai pas dit des coups de gadji, d'accord. Envoyez. Mets-toi la jambe de gauche devant. Ah ouais? Voilà, et là, tu envoies. Un, tu soulèves tes talons à chaque fois. Un, deux. Un, deux. Voilà, c'est bien. On va partir sur la même chose avec les crochets maintenant. Regardez les crochets qui arrivent. Regardez-les. Regardez bien les coups qui arrivent. Fermez pas les yeux. Mehdi, ça part de là, les coups. D'accord? Pas de là. De là, comme ça. Bim. Bim. Et c'est ton corps qui tourne. D'accord? De là, tu écartes ta main. Juste, tu écartes ta main, boum, tu tournes. Voilà, quand tu vas sortir d'ici, tu seras boxé. J'espère, hein. Allez, on y va. J'espère. Voilà, c'est mieux. C'est bien. Allez, Mehdi. Mehdi. Toi, reste pas comme ça. Mets-toi en garde. Active-toi, d'accord? Boum. Un, deux. Boum, boum. Allez! Descends, tu squattes. Il faut que tu vraiment que tu bloques. Il doit taper sur tes gants. Vas-y, réessaye. Voilà. Ça défonce. Ouais, mais parce que tu n'es pas prêt. C'est parce que tu n'as pas assez travaillé. Si tu le travailles, tu bloques facile. Comme ça. Ferme tes bras. Bloque ta garde. Ça va, tu as pas chaud? Ouais, un peu, mais c'est vrai, je peux me changer, c'est trop tard. Non, c'est vrai. J'ai vu, aussi des gardes, elles sont comme ça des fois. C'est sûr, parce qu'en fait, ils se protègent. Ça dépend le coup que tu prends. Toujours pareil, la boxe, il faut que tu sois attentif à l'autre. Tu revois ce qu'il fait, et par rapport à ce qu'il fait, tu vas te positionner et tu vas contrer. Je peux être comme ça et tout des fois. Enfin, tu peux rester comme tu veux. En boxe style, on est comme ça. En boxe style. Mais il faut que tu viennes plus souvent. Ah, c'est mon premier, j'espère. Ah ben, j'espère que tu vas revenir. Dites-leur qu'il me juste qu'il me gonfle pas. T'inquiète pas, il va pas te faire mal. Si il me gonfle, moi je reviens pas, les gars. Ah, attends, il n'y a pas de souci. Allez, on se remet en position. Ça va, Caïs? Prêt? Baptiste, il y a Caïs. Mais tu sais que si vraiment il s'y met, comme tout le monde, hein, il y arrivera. Ça va, j'ai un petit truc. Ça va. Ah, ça va. Tu peux faire de la boxe. Pas champion. Bien, pas champion, mais tu as le truc. Champion, il te faut bien 2 ans. 2 ans? 2 ans. Champion de c'est quoi? Une grosse préparation. Champion de, champion de France. Tu non, moi je veux du monde. Tu es loin. Hein. Tu as du monde là-bas à terrasser. Ah ouais. En taille, en kick, tout ça, mais tu es fou. Combien de temps minimum? Pour être champion du monde? Ouais. 5 ans. 5 ans? Eh bien, en 4 ans, 3-4 ans. 3-4 ans, tu peux, si tu es assidu, que vraiment tu viens, tu veux vraiment faire ça? C'est vraiment possible que mec, en 4 ans, tu n'as jamais fait de. En 2 ans, si tu veux, il y en a qui sont champions de France. C'est où tu es doué ou tu ne l'es pas. Alors je t'explique, en France, champion du monde, c'est trop facile. Être champion du monde d'anglaise en France. Non, en anglaise, champion du monde de la verte là. Pas de ceinture, on est en boxe. Eh oui, en boxe anglaise. Oui, mais c'est des grades. C'est pas des ceintures. Ah ouais? Pas de ceinture. Moi j'ai la ceinture noire kickboxing, c'est un grade. Normalement, tu as des clubs où ils te donnent une ceinture. Mais moi je trouve ça bidon. Ah, je savais pas. C'est plutôt un grade. C'est un parce grade. Que je connais un mec qui est champion du monde. Il a des ceintures. Il a une ceinture des champions du monde, ouais. Non, la ceinture. Oui, la ceinture. Ah, je crois la ceinture comme au judo. Mais non, les ceintures. La ceinture, il y a de l'or et tout dessus. La ceinture, là. Oui, il y a de l'or. Ceinture mondiale. Voilà. Non, tu me parles de ceinture, ceinture mais non, verte. Non, pas une Louis Vuitton. Ceinture verte, tu me dis. Moi, je pars ceinture champion du monde. Genre, oui, non, ceinture. Mais accroche-toi, hein, parce qu'il va falloir que tu fasses régime. Vraiment, ce que je te dis de faire. Régime, tu faut que tu sèches, que tu perds au moins 5 kilos, là. 5? 5 facile. Combien tu pèses? 5 kilos. Là 5 kilos, combien? Je dois faire 80, 85. Tu perds au moins 10 kilos. Tu tombes à 75. Ah ouais, quand même. Tu as du monde en anglaise. Ah ouais. C'est pas comme un pied-point. Un pied-point, il y a beaucoup moins de monde. Je vais battre tout le monde. Pied-point, c'est bling-bling. C'est beaucoup américain, ouais, c'est, tu as vu l'UFC, tout ça. Mais l'anglaise, c'est le noblard. Ça existe depuis des années, avant qu'on soit né. Je connais un jeune, il est fort à ça en plus. Je t'en montre, moi, tu veux voir. Hein. Ah, moi, j'en connais, il est super. Après, moi, fort. Si tu veux, je te mets les gants, tu vas voir. Hein. Toutes les feintes que je te fais voir, je les fais, moi. On met les gants. Mais en dernier, j'ai pas peur. Pas maintenant, il n'a pas peur. Moi, je suis là. Mais on va le voir maintenant. J'en connais, il s'appelle Bakary Samaké, il est fort aussi. Yout! Buvez un coup! Préparez-vous aux assauts! J'ai voulu faire une dédicace, mais ça va pas marcher. Je suis plus mal que lui. Bon, là, je remonte. Un, crochet, je décale direct. Bien. Non, décalage, je crochet. Non, je suis pas prêt, vous. Le deuxième, je l'ai pris. Le troisième, je décale. 1, 2, 3. On va voir si je fais tout ça. Attends, allez, Mino, va travailler. Travailler. Là, il m'envoie la gauche.
hop, je les cache. La droite, hop, je les bloque. Bloc, bloc, bloc. Non, ça va, ça se voit. Attention, ça va, si je deviens trop fort, je vais faire un sparring avec vous. Fais-moi voir, avec toi, arrête de me vouvoyer, parce que je vais te mettre les gars. Je vais mettre les gars pour de bon. Eh ben, je vais te vouvoyer. Comme, comme ça, vous voyez. Comme ça, on fait un sparring. Fais-moi voir. Plus rapide. Fais-moi ça. Fais-moi voir. Mets-toi, mets-y la gauche. Allez. Dans un an, j'affronte Mike Tyson. Même pas, un mois, tu sais boxer. Un mois, je sais boxer, vous êtes sûr? Sans problème. Vous me le garantissez? Te garantis. Satisfait ou remboursé? Te garantis. Un mois, tu sais boxer. C'est et si ça pas. Marche pas? Si tu viens on avec fait un mes sparring, vous et moi. Tu viens avec cours. Arrête de me vous voyez. Pardon, toi et moi. Tu viens à mes cours de taille, tu verras si tu sais pas boxer après du mois. Je sais pas boxer, on fait un sparring. Si tu veux. Dans ce tour, je suis costaud. Filmez et tout, hein, pas de soucis. Hein, filmez à l'aise, tout. Dans la falaise. Allez, allez travaille. J'étais pas loin, je savais qu'il y avait des dragons dans le coup. Bien ça, très bien. Yeah. Allez. Après tu vas tourner, après tu vas, non, tu vas je déguster. Je suis un battant moi. Je vois ça. Là, il m'a c'est bien, tiens. Pour un premier coup, je trouve que c'est bien. Franchement, ouais, c'est bien. Oui, je regarde beaucoup. Il faut que tu reviennes. Que tu reviennes, mais en taille. Tu viens en boxe taille. Voilà, je tu te diras. Tu vas voir, c'est autre chose. Je regarde beaucoup les snaps de bagarre et tout, j'ai appris. C'est pas la bagarre, la boxe. Mais la boxe, excusez-moi. C'est pas de la bagarre. Je regardais c'est Max du sport, Tyson. C'est du sport, on va dire individuel, qui va te changer ta vie. C'est certain. Ça va me rendre riche ou pas? Pas riche, mais sûr de toi. Moi, je vais être sûr d'être riche. Tu vas être riche tout seul. En étant sûr de toi, tu deviens riche. Ah, ça va. Moi, je vais m'économiser pour les 20 rounds. Après, on va dire que j'ai pas progressé sur la chaîne, là. J'ai progressé, les gars. C'est pas vrai, il a pas progressé. Si il avait fait que du jiu-jitsu toute sa vie, contre lui, qui avait fait de la boxe toute sa vie, il faut serrer qui est-ce qui gagnerait? Moi, je dis que c'est le grappling qui gagne. Vraiment. De tous les arts martiaux. Et les gens du grappling, venez, on fait un combat. Bah, je rigole. Je rigole pas non plus. Mais je rigole pas. Là, fou, imagine, c'est un fou. Je vais ramener ma jambe et je vais pousser. Allez, on fait la dernière, après on passe aux assauts. Viens, Dassadek. Même en faisant semblant, là, depuis tout à l'heure, il me met des coups à travers la garde. Et quand il met des crochets un peu élastiques, ça me donne mal au crâne déjà. Donc j'hésite à tourner avec lui à la fin. Bon, j'ai quand même le faire. Mais du coup, les gars, pour le prank et pour le courage investi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il y a bien dans la vidéo dans les commentaires. Et donnez-nous des concepts à refaire. On se le fera avec plaisir. Laissez le like. Et maintenant, place au sparring. Genre le plus fort d'ici, là, c'est qui? Moi. Moi, je vais faire contre toi. Je sais pas, attends, je vais te dire, franchement, il y a lui. Moi, je vais prendre le plus fort, moi. Il y a Marina. Mais en dernier. Il y a Stella qui est très bonne aussi, qui est très forte. Non, mais je vais pas faire avec une fille. Vas-y, elle t'arrache la tête. Non, non, je ne pas avec des filles. Le midi j'adore, franchement, j'adore ton humour. Ça va, je suis fort. Ah, ça va, je suis. Après, la boxe, c'est nickel. Franchement, bien. Tiens, encore à voir. Mais c'est bien, pour un début, c'est très bien. Vous allez voir, je vais être champion du monde, vous allez voir. Retenez. Ah, attention, tu parles à la caméra là. Il y a des millions de vues. On va voir. Oh, je suis prêt. C'est bien. Les gars, écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Je veux de l'efficacité, de la rapidité, pas de puissance. De la rapidité. Vous jouez à la touche. Si vous touchez en rapide, il va avoir aussi mal qu'en puissant. En puissant, vous allez y arracher la tête pour rien. OK? C'est bon pour tout le monde? Oh, je parle. 20 pop, tout le monde. Allez, on y va. Allez, c'est parti, les pop. Ça vous apprendra, faut me répondre. On y va, ben pop. Je veux que des touches. Je veux pas de puissance. Je veux que vous vous amusiez à essayer de rentrer les techniques qu'on vient de voir. Je veux pas que vous fassiez votre boxe. Je m'en balègue de votre boxe. Je veux pas la voir. C'est bon? On va faire des rounds d'une minute. Quand je dis changer, vous réfléchissez pas, vous vous tournez et vous prenez lui qui est en face de vous. On va pas perdre de temps. Allez chercher l'autre là-bas, d'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Ben pop. Oh, 20 pop. Allez, bougez-vous. La prochaine fois, vous me répondez. Eh ouais. Vous croyez que je suis quoi, invisible?
Donc, je veux de la rapidité, de la technique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà, là, on est bon. Debout, par deux. Puis, bouge. Regarde-moi, Midi. Regarde-moi. Allez, dans l'axe. Ah, ça y est, déjà. Attends. Allez, travaille, travaille. Je veux des belles fêtes. Je veux pas n'importe quoi. Allez, Mehdi, travaille. Monte ta garde, Mehdi, fais attention. Monte ta garde. Je suis là, je suis là, t'inquiète. Fais voir le nez. Non, t'inquiète, je suis là, je suis là. Travaille. Vas-y, vas-y, je veux progresser. Monte ta garde, doucement, Flo. Rappelez-vous de ce qu'on vient de voir. Je veux voir des fêtes de frappe et des directs. Moi aussi, je suis là, ça va. C'est bien, Elliot. Caïs, ça va? Non, je rigole. Sadek, monte ta garde. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Ah, c'est bien. Ouais, l'esquive. C'est bien ça. Allez, génial. C'est bien, deuxième. Bravo. Il est doué. Je prends le truc, j'ai compris. Je vois. Et ouais, il faut pas que tu sois une cible en fait. Faut que tu bouges de gauche à droite, comme je t'ai dit tout à l'heure. Travaille. Il est fort lui? Très fort. Allez, travaillez. Je vais devenir fort. Allez. Vas-y. Là, Kevin. Je vais devenir fort. Vite. Allez, vite. Bouge. C'est moi. Allez, on travaille. Doucement, tranquille. Oh, calmez-vous. Changez. Ok, mais c'est bon, j'ai progressé. Ouais, c'est parti. Doucement. Pas trop fort. Changez. C'est bien, tu te démerdes, mais tu bouges trop, tu vas être épuisé. C'est bien. Ça va, tu rigoles? Je suis là. Changez. Vas-y. Doucement, les gars. Ah. Non. Tu as déjà boxé, tu bats, tu me prends pour une con. Tu boxes, ah ouais. Tu sais boxer. Je m'appelle Mehdi. Il sait boxer. Je l'ai allumé, moi. Allez, travaille, fais-moi voir. J'ai déjà boxé, va. Je vais vous montrer comment je progresse. Doucement. Tapez pas. Il boxe déjà. Il nous a pris pour une bébé. Il nous a matché tout le long, cet enfoiré. Eh, Mehdi. Enfoiré. Monte ta garde, c'est vrai. Doucement, les gars, doucement. Doucement, vous allez trop fort. Allez. Monte ta garde, Lionel. Changez. C'est bien. Tu boxes déjà, me promets. Hein, tu boxes. La vérité. Tu m'as eu, hein. Tu boxes déjà. Hein. Boxe bien plus. What? Allez, on travaille. Oh, c'est pas fini, là. Ah, il est boxeur, ça me fait rire. Ah, vous voulez... Mikey, c'est moi, Mati, hein. Doucement. Mais dis doucement, s'il te plaît. Bien joué, le coup de vis. Bien joué. Ah, tu veux savoir? Je savais qu'il boxait déjà. Je savais qu'il boxait. Il boxe, bien sûr qu'il boxe. Ça se voit direct. Oui. Comment il s'appelle? Ah, voilà. Tu es un gros tricheur, hein. Tu m'as eu, hein. C'est pas bien, ça, hein. Ah, Suleiman, c'est pas bien, hein. Changez. T'avais rien dit depuis le début. Oh, tu boxes où? Tu boxes où? Champion du monde de moins de 25 ans. Ah, dis-moi tout. Bien joué. Tu m'as eu. Ça va, ça a marché? Ouais, nickel. Oh, j'ai pas fini. Continuez. Changez, j'ai dit. Allez. Non. Désolé, vraiment. Ah, qu'est-ce que tu as fait ça, Mehdi? Vas-y, allez. Suleiman, hein? Ouais. C'est quand que tu as fait ça? Le championnat du monde. Combien tu as mis d'années? 4 ans. Je commençais à 16, 17 ans, j'ai 21 ans. Tu as commencé tôt. Ouais, non. Mais c'est tôt, 16 ans. Ah, quand je t'ai vu faire ça, j'ai dit, oh putain, il me manque. Trop fort, madame, voilà, trop fort. Allez, on continue. T'as foiré, il me fait la faire à la mer.
Comment on fait? C'est pas bien comme tu me l'as joué là. Ouais, et dorénavant, tu veux me voir, tu as compris? Changez! C'est bien, les gars. On va refaire après ce parce qu'on n'a pas eu le temps. Ah, mais c'est un honneur. De même. C'est un honneur. Merci beaucoup. C'est bon, on est tranquille, ouais, t'inquiète. Allez, vas-y. Mais quand je l'ai vu travailler et tout, j'ai dit, hop, t'es humain. Ça se voit direct. Quand tu vois un boxeur, tu le vois cash. Et là, Frenchman, la photo, hein. Ça se voit, hein, il a la technique, il voit les trous, il cadre bien. Allez, ah, mais tiens, Tolé, il faut que tu tournes toi et moi aussi. Hein. Allez, avec toi. Nanta, y'a frère. C'est bon, je vais m'adapter. Reste. Trop fort. Ah, je vais me coucher moins con ce soir. Changez. Qu'est-ce que ça passe du petit? Bon, il est pas mal, hein. Mais bon, il arrive pas à pour rire, il m'a eu. Le chemin, il m'a eu, attends, tu verras. Wouh! Wouh! 20 secondes! Oh, il t'en manque un. Il est. Ah, ben il est là-bas. Bien, bien. Adèle, laisse-la finir, s'il te plaît, il reste un round. Changez, dernier round! C'est bien, champion. Allez, dernier round, on y va! Fight! Sadek! Je parle avec Sadek! Sadek! C'est beau ça! Bien Sadek, très bien! Hop, hop, hop! On t'agarre Sadek, rate pas en ligne comme ça! Décale aussi! Ah, viens chercher! Zap, jab, jab, jab! Boum, bam! Le plaisir, 20 secondes de plus, allez. Yout! Levez les gars, levez tout! Trop fort le coup de snob. Ah, ça va marcher quand c'est même. C'est trop bon. Génial. J'ai croyais qu'il était débutant au début, mais après quand j'ai vu faire ça, j'ai eu un moment. Ah, il m'a dit, fais-le à partir du sparring, tu commences à montrer. Lui, il va allumer après. Ah, je regarde. C'est génial, génial. Il a souri, il a que lui donner des conseils. Après, j'ai entendu ta phrase. Alors, moi, je t'ai jamais vu. Il me dit, je t'amène un mec, il a jamais boxé et tout. J'ai dit, vas-y, man, s'il veut faire un cours. Ah, je faisais esprit de... Bah, j'ai vu que tu faisais esprit. Ça marchait. Pas normal qu'il bouge pas et tout, putain. Et les conseils, ça va? Ouais. Nickel. Tu donnes des bons conseils, je te jure. Non, top. Après, moi, ça fait 20 ans que je boxe. Hein. Ah, ouais, 10 de kick, 10 de taille. Bon. Anglaise, pas trop, j'aime pas trop moi. Ouais. Pas trop ma boxe. Chacun son domaine. Ouais. Moi, j'aime bien les genoux, les coudes. Tu vois, faut j'apprenne un peu à mettre des pieds. Bien. J'apprends ma Grégoire un peu. Toi, tu regardes trop la télé. Faut boxer en vrai. Ah, génial. C'est génial en tout cas. Ouais, je devais ramener la ceinture, je l'avais oubliée à la maison après. Tu me parles de ceinture, j'ai qu'est-ce que tu me dis la ceinture verte, c'est fou. Moi, c'était dans ma tête, tu vois. C'est... Trop fort, tu m'as bien eu. Oui, je suis félicitations. Merci. Mikey. Tu m'as eu. Eh ouais, parce que je savais que j'allais regarder comment. Ouais, au début, tu parlais de la taille et tout. Il me dit, j'ai la ceinture verte. Ouais. Ceinture verte. Ceinture. Non, du coup, je dis, ouais, ceinture verte. Moi, je parlais de la WC que j'ai. Et comment ça, je me dis, ouais, si j'ai une ceinture verte, maman, écoute, tata. Lui, il croyait que je parlais des ceintures de judo. Ouais. Ton niveau ne veut pas progresser, t'es trop doux. Ouais, on va faire un. Ton niveau n'a pas progressé, Toto. Depuis le temps qu'il s'entraîne, il est pas bon. C'est dingue. Ouais, c'est enculé, je te jure. Ah, mais tu jures que. Moi-même, je sais pas si t'as regardé. Des commentaires, des gens au hasard. Il y a même des gens à toi qui te disent. Moi-même, il y a des gens. Même Bakary, tu as vu, Bakary, il est impressionnant. T'as vu, moi encore, je suis moins physique que lui et tout. Ouais, mais on sait qu'il ment, tu vois, alors que moi, il y a le doute. Est-ce que j'ai vraiment progressé? Est-ce que j'ai pas progressé? C'est vrai que ça qui rend fou. Mais. Ces gens qui parlent, ils sont même pas capables de faire un entraînement. C'est vrai. Tu as vu la comédie que j'ai fait? Des gens qui... Ouais, c'est eux qui commandent. Tu m'as impressionné, gars. Les gars, moi, j'ai un objectif, lui, il a un objectif. Lui, son objectif, c'est de me gonfler. Moi, c'est de me prendre zéro coup. On va voir si ça marche ou pas, les gars. Tu penses me toucher à combien? Genre le front? Non, la tête, tout court. Même le front, ça compte? Ouais, c'est la tête. Bon, je sais qu'il y en a un au moins que je vais toucher. Au moins un. Ça va. Objectif.
c'est de pas me faire toucher. Je sais que contre Baki et des pas anglaises, on a fait un MMA, je l'ai pas touché une fois. Pas une seule fois. Si il a pas touché Baki, je me fais toucher Baki. On va faire un sparring. Allez, allez, crochet au corps aussi, allez, allez. Et le foie. Non, 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 allez. Voilà, vas-y. Voilà, bon, tu vas rire. Voilà. Boum, 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 boum. Je sors, t'as capté, je vais chasser. Très bien. Boum. Très bien. Bon, bon. Pourquoi tu remises pas? Très bien. Bon, bon. Poussez, 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 poussez. Tiens, prends un trou le coup. En fait, tu bouges pas toi, ta tête de gauche à droite. Tu vois, t'as fait que tu rentres et tu es en ligne. Et tu rentres vraiment comme ça, c'est pas pareil. Tu vas dans l'axe, tu sais. Lui, il va envoyer, et ça va le rendre fou déjà. Il va taper dans le vent. T'as pas confiance en ta défense. Ça. Ouais. Si tu aurais confiance, regarde-moi. T'as vu, des fois, je me permettais de rentrer. Parce que je savais très bien que si tu me frappes derrière, je sors. À chaque fois que tu finis par une gauche, des axes. Que ça soit bam, 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 bam. Ok. À chaque fois que tu finis par une droite, rotation. Dès que tu auras appris ça, que tu l'auras ancré en toi, la droite, après passe aux autres esquives. T'as compris. Envoie une droite. Rotation, vas-y. Allez là-bas. Okay. T'as capté. Et confiance dans ta défense, après tu pourras. Le but du jeu, c'est de casser la distance sans se faire toucher. Exactement. Ouais. Toucher sans se faire toucher, c'est le but de la boxe. C'est le but de la boxe. Je suis un peu dégoûté de ce que vous me dites parce que je m'entraîne dur et tout. Mais s'il y a un, y a un dernier truc que j'ai à dire, c'est... Même ça. Je gère, je gère. Ça fait un peu de peine là. Combien de boxe, ouais. Hein? 6 mois, 7. C'est bien, je te jure. Et après bien. J'ai permuté MMA, donc je continue quand même. Et ouais, mais j'aime trop le grappling, j'adore. T'es un puriste. C'est les anciens. Les anciens, quand j'aime beaucoup la fiche de Canelo. Canelo, c'est un autre. Dans 2 ans, je l'affronte. Franchement, j'aimerais bien te voir. 2-3 ans, je l'affronte. Paris. Alors, si tu fais ça, moi je t'annonce, je te quitte de tout ce que tu as besoin. Je te quitte. 2-3 ans. Quitte. 2-3 ans, attention. T-shirt, de chaussures, tout ce que tu as besoin. J'ai 21 ans. Et je suis pas champion du monde à 25 ans. Et c'est comme je te dis, c'est ma marque, les gars, c'est à moi. Ok, c'est pas mal ça. C'est à moi, ça fait depuis 2009. Je me rappelle, le premier t-shirt du boxing qu'on avait, c'était des Hurricanes. Et oui, ça fait il y a 10 ans, plus que ça. Tout à l'heure, tu l'as dit, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Ça a beaucoup t'apporté la boxe dans la vie, ça m'a beaucoup apporté. Ça te fait grandir, ça t'apprend la patience, je te jure, c'est la vérité. Tu changes de vie. Avant la boxe, par contre, c'est incroyable comment je me battais. Mais moi, j'étais nerveux que je me battais dehors. Dès que j'ai commencé de la boxe. Si, tu vas plus. Non, j'ai vraiment changé. J'ai plus le même parce que déjà, tu comprends confiance à toi.
tu, ça t'ouvre des horizons de fou parce que tu te dis, j'étais pas capable de faire ça, finalement, tu es capable. Ça, tu as confiance en toi, tu te dis, pourquoi je vais faire ça. En fait, t'as tout à perdre de te battre dehors, en vrai. Ouais. Soit le mec t'abîme, soit tu l'abîmes. Soit beau. Si maintenant, de nos jours, c'est plus comme avant, tu te bats plus. Aussi. Aussi. Les gars, dites-moi si le prank vous a plu. Dites-le dans les commentaires. C'est important que vous vous exprimiez là-dessus. Comme ça, on sait sur quoi tourner la chaîne. Merci Souleymane. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Moi, j'ai trouvé que tu as été un très très bon acteur. Tellement qu'à la fin, je commençais à se parer avec lui comme s'il était débutant. C'est moi qui lui expliquais limite les trucs. Mais c'est bizarre que quand on joue la comédie comme ça, on a l'impression de devenir notre personnage. C'est en fait, on se rentre tellement dans le cerveau. Je suis débutant. Nanana, je suis ci, je suis ça. Après, on finit par y croire, en fait. Oh. Merci pour le cadeau. Rican Sport. Du coup, est-ce que tu penses que pour devenir bon, ça marche de la même façon? Il faut jouer un personnage qui est fort pour pouvoir se progresser et... Je dirais pas ça. Mais l'approche, elle est bonne. En fait, moi, j'ai une phrase qui est « Si tu crois pas en toi, personne ne va y croire. » Donc, si tu es pas le premier à croire en toi, à vouloir faire les efforts toi-même et tout, personne ne les fera à ta place. Donc, c'est un peu la même forme. Oui, tu crois, tu te forces dans la tête à y croire. Mais comme je dis, il faut aussi savoir contrebalancer, c'est-à-dire je suis conscient de mes erreurs, de mes fautes, de ma faiblesse, de mon niveau, mais je suis aussi conscient de ce que je peux faire, ce que je peux accomplir. Et je suis conscient que je vais faire mieux encore plus tard. Et c'est l'objectif en fait, essayer de t'améliorer dans quoi que vous fassiez, que ce soit du sport, que ce soit du travail, que ce soit l'école ou autre, n'importe quelle discipline. Si j'y crois pas moi-même ou tu n'y crois pas toi-même, personne ne va y croire à ta place. Tu vois, donc persuade-toi toi-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on croit en lui. Il a déjà la ceinture champion du monde, moins de 22, c'est ça? 25 ans. 25, mais il a moins de 22 ans. C'est ça, j'ai un an, effectivement. C'est un bébé en vérité. Le bébé qui frappe. Mais voilà, du coup, les gars, ce que je vous invite à faire, c'est de rejoindre ses réseaux sociaux, à lui donner un maximum de force, à le suivre, parce qu'on a encore un champion français qui va aller très très loin. Donc montez dans le train maintenant, après il sera trop tard. Et les gars, n'oubliez pas, Hurricane Sport, merci à la salle Hurricane Sport et à Franck de nous avoir accueillis. Lui, il nous a accueillis de bon cœur, il pensait qu'on était youtubeur, mais non. Un champion du monde, il est encore plus content du coup. Les compléments alimentaires, c'est sur Nutrisolid. Vous avez les produits directement dans la description, c'est nouveau. Vous pouvez cliquer directement et aller prendre commande sur le site. Et maintenant, je vous laisse avec Souleymane, il va finir avec un dernier mot. Comme il a dit, croyez en moi. Si vous voulez pas monter dans le bateau, je vous serai à monter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain combat. Et merci à Mike, franchement, il est au top. Attends, on l'a refait. Ah. C'est beau ce check. Non, franchement, il est au top. C'est même aussi à Franck, je vous remercie. Et je vous remercie, vous aussi, d'avoir regardé ça. Donc, merci à tout le monde. Reste solide et la vie, elle Attends. Je la remets. On va la faire ensemble. 3, 2, 1. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. Ah, tu es au top. Merci encore, frérot. Je te jure, c'était la régalade, je te jure.